9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Press. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatton et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Press, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatton. Taxi Press. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Et Taxi Press de ce lundi, ce sera avec Michel Tchadja, le patron du journal Ouara Les Vainqueurs, et l'homme Atisse Ogbe, le patron du journal La Nouvelle Tribune, et Jacques Diakouti, éditorialiste. Ensemble, nous commenterons et analyserons l'actualité sociopolitique de notre pays. Des manifestations politiques amorcent un nouveau virage avec une nouvelle année. Près de 6 mois que la rue grogne, près de 6 mois que certains Togolais indignés visiblement demandent à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir et près de 6 mois aussi après que le chef de l'État est toujours en place. Alors, on a même le sentiment que la peur a changé de camp. Le dialogue autrefois commandé par le pouvoir de Faure Gnassingbé semble être réclamé par l'opposition sans garantie de l'obtenir. L'opposition est-elle finalement dans une pression de rue sans issue? Nous poserons la question. Et puis nous reviendrons également sur le discours du chef de l'État le 3 janvier dernier. Que de commentaires dans l'opposition? On placera un mot sur le sujet. Bienvenue. Taxi Press. Mais d'abord, une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce lundi. On va commencer par le quotidien Forum de la semaine. Un discours du chef de l'État, Akleso Acholé, charge les responsables de la coalition de l'opposition. Le confrère revient simplement sur le sujet. Vous lirez l'article à page 4. Réaction d'un compatriote face au diatribe de l'économiste Thomas Koumou à propos du prêt du FMI accordé au Togo le 5 mai dernier. C'est à découvrir dans le journal. Télécommunications, Togocom a son chef, son nom, Acha Dedi. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis pour la fluidité de ses prestations de services, la DTRF opte pour la digitalisation. Et puis politique, le mouvement des jeunes unis a appelé la jeunesse togolaise à l'optimisme. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté, Forum de la semaine, excusez-moi. Le quotidien Liberté maintenant. Tout pour le pouvoir au Togo, le jeu dangereux de Faure Gnassingbé en liant le PNP au djihadisme. Les ONG d'obédience musulmane sous surveillance, les images des 2 militaires tués utilisés pour manipuler la communauté internationale, relève le confrère Liberté ce matin. Et cette réaction de Brigitte Adjamagbo-Johnson, en aucun cas, nous ne devons fléchir, lâche-t-elle. Vous lirez l'article dans le journal. Toujours dans le chapitre politique, dialogue politique en vue, les derniers signaux d'un échec programmé, le confrère en parle. Et puis sur la justice, 3 militants du PNP écroués à la prison civile de Lomé, un autre enlevé hier à Kara par des jeunes cagoulés. Les détails sont à découvrir dans le quotidien Liberté. L'hebdomadaire Courrier de la République maintenant. Togo, le serpent de mer appelé dialogue. La rencontre s'annonce dévastatrice des maigres espoirs du peuple. Vous lirez l'article dans le journal. Ils ont fait l'actualité en 2017. Leur photo à la une du journal. José Simenou, Folivi Sachivi, Christophe Padou-Rekou Tchao, Pascal Bojona, Tipi Etedam ou encore Brigitte Adjamagbo-Johnson. Vous lirez l'article à la page 4 du journal. Et puis danger dans le domaine du foncier MAG Group, l'expression du chaos et de l'enchaînement. C'est à lire dans le journal Courrier de la République. Il y a le journal La Nouvelle Opinion qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le message de Faure Gnassingbé dans son fond.
la protection sociale et des cibles vulnérables, la grande priorité, écrit notre confrère Nouvelle Opinion. Pression de rue sans issue, maître Jean Yaouvi Degli dénonce les positions peu orthodoxes de l'opposition togolaise. Le confrère en fait mention ce matin. Et toujours par rapport donc à la crise politique au Togo, les populations toujours dans l'attente, note notre confrère. Lié maintenant, si vous voulez, à la jeunesse, au mouvement des Jeunes Unir, première sortie médiatique du MJU, Malik Nachaba souhaite tout le meilleur à la jeunesse et étale une partie de son agenda pour 2018. Vous lirez l'article dans le journal Nouvelle Opinion. Il y a aussi le journal Le Collecteur qui est dans le kiosque ce matin. Le Collecteur qui évoque les forces armées togolaises. De quoi Fort Forgnan Singwe Santan a-t-il peur? L'interrogation à découvrir dans le journal Le Collecteur à la page 4. Jeunesse au cœur de la politique du pouvoir togolais, Nyama Lata, la preuve du mensonge, écrit notre confrère. Et puis, indécence dans la gouvernance du Togo, les jouisseurs du pouvoir, leur griffe, c'est à découvrir dans le journal. Et puis, déguerpissants, accompagnement de la plage, ex-ramasseurs de sable marin et ex-maraîcheurs crient leur ras-le-bol. Vous lirez l'article dans le journal Le Collecteur dans les kiosques ce matin. Alors, dans les kiosques ce lundi, outre le billet hebdomadaire Le Collecteur, vous avez l'hebdomadaire Nouvelle Opinion, l'hebdomadaire Courrier de la République, le quotidien Liberté et le quotidien Forum de la semaine. Retour en studio, premier numéro de Taxi Press cette année en 2018. Et pour l'instant avec nous en studio, Michel Tchadia. Michel, bonjour. Bonjour Eric. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça peut aller. C'est une nouvelle année, hein? C'est une nouvelle année, vraiment. Puis bon, c'est vrai qu'on a eu la chance déjà de souhaiter les vœux aux auditeurs de Taxi FM. Oui, bien sûr. Mais on peut toujours continuer parce que l'année continue et donc je tiens par cette occasion à les souhaiter encore bonnes années et beaucoup de santé parce que la première grâce selon moi que Dieu puisse donner à une personne c'est la santé. Bien sûr. Et après je pense que la paix dans les foyers, la paix dans le pays. Et puis surtout la réussite dans les activités des uns et les autres. L'année 2017 était vraiment chargée de bonheur, de déception, de colère, de pleurs et également. Et ça en est allé, on peut le dire ainsi. Et forcément, beaucoup de choses vous ont marqué hein, en tant qu'observateur avisé. Oui, beaucoup de choses. Si vous avez demandé d'en citer au moins deux. Oui, c'est la crise politique, en tout cas, qu'a vécu le Togo en 2017. Et certainement que ça continue, puisque le dialogue tant attendu pour mettre fin à cette crise n'est pas encore là. Cette crise a affecté beaucoup de Togolais, surtout qu'il y a des morts, des blessés et puis des dégâts matériels très importants, surtout à Sokodé, à Mango et à Bafilo également, et on ne peut pas aussi occulter Lomé. Donc tout ça là, dans la vie, dans la conscience collective, c'est des événements qui ont bouleversé les consciences, et vraiment nous prions Dieu que tout ça là soit conjugué au passé, et que véritablement cette année 2018 illumine beaucoup de nos acteurs politiques pour qu'ils puissent non seulement aller vite à un dialogue, mais de se surpasser, de voir l'intérêt du Togo et de trouver des solutions durables pour permettre à notre pays de se relancer. Sur le plan sportif, je pense qu'il y a un événement, c'est la présentation du rapport de la gestion de la CAN 2017 qui a encore révélé aux yeux de beaucoup de Togolais qu'il y a des Togolais qui sont prêts à chaque fois que l'occasion leur est offerte de pouvoir se mettre les poches pleines.
Parce que 600 millions qu'on cherche avec des lampions jusqu'à présent, on ne trouve pas où ils se trouvent, c'est inquiétant. Et je pense que les autorités à un niveau beaucoup plus élevé doivent prendre la mesure de la chose, comprendre que ça, c'est des choses qui vraiment contribuent à frustrer les Togolais. Surtout les Togolais lambda, les Togolais d'en bas, comme j'ai l'habitude de les appeler. Qui voient certains, parce qu'ils sont à des... Ils ont une occasion d'être projetés à des postes donnés ou à des niveaux donnés pour gérer le pays et profitent de ces positions-là pour pouvoir vraiment détourner les deniers publics. Ça, c'est... J'ai dit une fois que ça donne les maux de tête quand on entend des informations comme ça. C'est vraiment regrettable et que un jour ou l'autre, hein, parce que ceux qui ont encore ces millions dans leur compte en banque et choses pensent que bon, les gens vont créer une semaine et puis bon, c'est fini, nous oui. on a ce qu'on a. Bon, de toute façon, c'est ça. Parce que ça a commencé en 2010, en 2013 également, et puis. Et on se pose la question, mais à chaque fois que notre équipe nationale vraiment est qualifiée, est-ce que c'est un malheur pour des Togolais? Est-ce que c'est une occasion pour saigner les Togolais pour le bonheur de certains qui sont là? On les connaît, ils sont connus. Ceux qui ont géré, on les connaît. Mais on n'a qu'à seulement les prendre et vérifier. S'ils n'ont rien fait, bon, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ont fait, que la loi soit appliquée, c'est tout ce qu'on demande. Sinon, demain, si on vous donne la gestion de quelque chose, et quand vous gérez bien, mais peut-être votre famille peut vous convoquer en réunion de famille pour vous dire, mais vous êtes allé pourquoi vous n'avez pas volé? Or, vous savez qu'on vole seulement. C'est l'habitude de la maison. Oui, pour vous, vous voulez montrer quoi aux gens? Mais il faut quand même qu'on commence à discipliner les gens. Ça, c'est un aspect sur lequel moi, je... La reddition des comptes n'est pas dans notre culture, finalement. Est-ce qu'on peut conclure ça? Dans certains domaines. Parce que j'ai entendu deux ministres marocains perdre leur poste un midi, justement parce que le chef de l'État a déboursé, ou le gouvernement a déboursé des sous pour, pour la réalisation de certains projets ponctuels, parce qu'il y avait une forte demande, mais que ce monsieur vraiment se mélangeait les pesos jusqu'à ce que le roi ne se rende compte que, mais ils ne font pas vite. Et là, en Guinée, c'était la même chose, en Côte d'Ivoire. Mais comment chez nous? On soupçonne des gens. Mais vérifiez. Parce que le fait de les soupçonner, ça ne veut pas dire qu'ils sont, tout de suite coupables. Mais vérifiez. Mais on ne fait rien et ça continue. Moi, ça, sur cet aspect, parce qu'on va se poser la question, mais ça veut dire que ceux-là qui n'auront jamais la chance d'être à des postes pour voler, ça veut dire que leur famille, c'est fini, ça veut dire que c'est certain seulement. Oui. Non, ça fait mal et que c'est pourquoi nous le martelons tous les jours. Bien. Bonjour, Elom. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour, Eric, et toutes mes excuses pour le retard. Alors, 2017, c'est passé maintenant, mais c'est chargé de souvenirs. Vous en retenez quoi, finalement, de 2017? Oui, d'abord, j'aimerais présenter mes vœux les meilleurs à tous les auditrices, auditeurs de Taxi FM et par la même occasion à l'ensemble des Togolais. Et bonne heureuse année à toutes et à tous et à la presse togolaise dans son ensemble. Et on souhaite pour le Togo tout ce qu'il y a de meilleur et tout ce qu'il y a de beau pour la nation togolaise. Qu'est-ce que je retiens principalement de 2017, comme l'a dit Michel tout à l'heure, si je vais le redire, c'est les comptes de la CAN 2017. Et parce que après le scandale de la CAN 2013, où il y a eu 600 millions de francs CFA détournés, où on n'a pas eu également une suite en ce qui concerne la poursuite de ceux qui sont impliqués dans ce scandale. Et on a eu dans la foulée le scandale de la CAN 2017 où il y a encore de nouveau 600 millions qui n'ont pas été retrouvés dans les comptes et dont on ignore aujourd'hui les mises en cause. Et je pense que c'est ce qu'il faut retenir principalement de l'année 2017, mis à part l'actualité politique. Je pense que c'est ça qui marque beaucoup plus les esprits parce qu'on a eu le toupet d'avoir un ministre qui a assisté à cette conférence de presse. D'abord une première conférence de presse pour présenter les comptes de la CAN 2013 pour dire finalement que ceux qui ont essayé de connaître
afin de d'être mêlé à des malversations financières seront poursuivis. Il l'a dit. Et en 2017, lui-même se retrouve dans la gestion de ces fonds-là et il présente lui-même le rapport d'une compétition continentale avec des trous, sans qu'il ne soit en mesure de dire cette fois-ci qu'ils vont poursuivre des gens. Donc je pense qu'au niveau de l'État, il y a un certain laxisme qui s'installe, il y a une certaine impunité qui s'installe. Il va falloir véritablement qu'on puisse prendre le taureau par les cornes pour aller de l'avant. On a mis en place dans ce pays la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions, les crimes assimilés, mais on ne sent pas véritablement le travail qui se fait. Et je pense que la Haute Autorité de lutte contre la corruption doit s'auto-saisir de ce genre de cas, à défaut de la justice. Je pense qu'on a une autre autorité qui est là, surtout qu'on a dans cette Haute Autorité-là des gens qui sont dans les associations de consommateurs, oui, qui ont déjà dénoncé et l'impunité qui a entouré les comptes de la CAN 2013, et on ne sent pas véritablement le travail qui se fait au niveau de cette Haute Autorité de lutte contre la corruption, qui est budgétivore. Parce que ça fait un an, c'est en janvier 2016, oui, et en janvier 2017, on n'a pas fait une seule activité au niveau de cette Haute Autorité, même si véritablement on dit qu'on a commencé que le travail qu'un certain nombre de mois après. Bon, on a constaté quand même qu'elle a eu du mal à s'asseoir. Hein. Oui, oui, effectivement. Dernièrement, qu'ils ont quand même trouvé un local pour pouvoir s'installer. Oui, mais bon, de toutes les façons, on n'a pas besoin de local pour travailler véritablement si on est déjà président d'une autre autorité, enfin d'une institution de la République. Et donc, il va falloir qu'on puisse véritablement travailler sur ce genre de cas pour situer la responsabilité. Aujourd'hui, on ne peut pas dire, nous journalistes, on connaît ceux qui ont été membres de ces différents comités, mais on n'a pas les preuves de celui qui a géré X, Y, Z, c'est-à-dire les fonds en fait. Donc il va falloir que la justice puisse établir toute la vérité sur cette affaire pour que nous puissions dans une certaine mesure savoir qui et qui ont véritablement détourné les 600 millions de Français. Alors, outre ces 600 millions qui vous ont marqué durant l'année 2017, quel autre événement ? La politique, comme Michel le dit tantôt, oui, avec l'émergence du PNP, et ce que ça a occasionné finalement, et depuis là, on en parle jusqu'à maintenant, on va en parler tout à l'heure. Oui, oui, bien évidemment, comme je l'ai dit, j'ai dit, à part l'actualité politique, ça voudrait dire que l'année 2017, et quoi qu'on dise, a été fortement marquée au Togo par l'actualité politique, et surtout avec l'émergence du Parti national panafricain, qui est entré comme un loup dans la bergerie et qui a quand même essayé de donner du tonus à des manifestations politiques qui étaient pratiquement mourantes au Togo avec l'événement du 19 août 2017. Et donc, je pense que ça continue à ce jour. Si ça continue, c'est parce qu'il y a eu d'un côté le PNP qui est arrivé sur le terrain, qui a quand même essayé d'apporter son plus par rapport à la lutte politique. Et donc, je pense que véritablement, si on doit parler de l'actualité au Togo, on ne peut pas parler de cette actualité en 2017 sans évoquer le Parti national panafricain. Très bien. Maintenant, on en vient en 2018, puisque le chef de l'État, on l'attendait en 2017, le 31, beaucoup plus comme il a l'habitude de prendre la parole. Mais c'est vrai aussi que depuis quelques années, il a l'habitude de nous parler en janvier, en début d'année. Et la semaine dernière, le chef de l'État s'est adressé à la nation, disons-le ainsi. Pour beaucoup, il a déçu. Pour beaucoup aussi, il a comblé les attentes. Le confrère de Nouvelle Opinion ce matin évoque l'aspect social et des cibles vulnérables qui serait donc la grande priorité de Faure Gnassingbé. Est-ce que vous avez été quand même, je dirais pas séduit, mais été touché par le message du chef de l'État, Michel? Mais j'ai été touché, j'ai trouvé que c'est un message plein de choses. Parce que, vous savez, quand un chef parle chez nous, on a l'obligation de l'écouter. Et comme tel, j'ai pris le temps d'écouter le chef de l'État. J'ai compris que, vous savez, nous avons un chef d'État qui ne prend pas la parole régulièrement, et lorsque l'occasion lui est offerte de... Et ça devient un événement. Hein? Oui, ça devient... Ouais. Tout le monde est devant son poste téléviseur accroché à son transistor pour
savoir ce qu'il a à délivrer pour ses compatriotes. Et la dernière fois, ça va faire bientôt une semaine, il s'est prêté à l'exercice. Et nous avons compris que, contrairement à ceux qui pensent que c'est un message vide, un message provocateur, nous avons compris qu'il y a plein de choses dans ce discours-là. Si je prends par exemple le premier aspect, d'entrée de jeu, le chef d'État a tenu à envoyer ses voeux de comment de nouvel an. Non, pas de nouvel an. Il a en tout cas renouvelé sa pensée pieuse pour ceux qui ont perdu leurs membres de famille au cours des événements politiques. Et il a souhaité également prendre rétablissement pour les blessés. Alors qu'il n'y a pas longtemps, on l'accusait de ne pas être tellement intéressé par rapport aux victimes et autres. Et donc, c'est à part ça que le chef d'État a commencé par son discours, pour dire que c'est des choses qui le tiennent à cœur. Ensuite, il a parlé de la jeunesse. Vous savez que la jeunesse togolaise vraiment vit des difficultés immenses. La jeunesse, au-delà de toutes les politiques, les projets en direction de cette jeunesse, beaucoup reste à faire. Et cette jeunesse ne fait que augmenter en termes de recherche d'emploi, en termes de sous-emploi. Vous savez, il y a certains de nos compatriotes, quand les gouvernants parlent ou évoquent le cas de la jeunesse, ils s'en moquent complètement. Et il y a le confrère, le collègue, excusez-moi, ce matin, qui évoque le cas du directeur de la NASA, non, comment ça s'appelle, Nyamalata, de la NASA. Anark Salt, oui. Et récemment, voilà, PCA. Des responsables qui cumulent quand même des fonctions alors que la jeunesse, elle est là. Oui. En même temps, on se pose beaucoup de questions. Oui, mais c'est pas bien que les gens cumulent. Oui, c'est pas seul. Il n'est pas seul. Mais c'est pas bien que les gens cumulent des fonctions. Mais ce n'est pas ça qui empêche de régler les problèmes de la jeunesse en profondeur. Les problèmes sont plus que ça. Plus que ça. D'accord. S'il y a une bonne volonté, je pense que les autorités, surtout le chef de l'État, puisque nous parlons de lui, a l'obligation. Il essaie, nous le voyons, par les projets qu'on initie, le gouvernement initie de gauche à droite. Mais ce n'est pas encore ça. La jeunesse vraiment attend beaucoup. Et surtout, cette jeunesse, quand elle se rend compte que, à côté de ça, il y a des gens qui ont 4, 5, 6, 7 postes. Mais on se demande. Moi, je me pose, j'ai toujours posé cette question dans ton studio. Le jour où ces gens-là ne seront plus, je prie qu'elles vivent très longtemps, hein, mais le jour où elles ne seront plus, on va aller les réveiller dans leur tombeau pour venir les mettre à ces postes. Non, vous savez que c'est pas possible. Les décharger un peu, ça va faire, comme les Ivoiriens le disent, ça va faire des décalements. On va décaler des gens et certains vont peut-être trouver leur pas. Il y a des têtes. Aller dans les ministères, il y a des cadres de haut niveau qui sont capables, mais on ne leur donne jamais cette chance. Il y en a qui refusent d'aller à la retraite, même si leur date... Voilà, c'est des choses qui méritent des débats. C'est inadmissible. Qu'est-ce qu'on veut? Donc, le chef de l'État a parlé de cette jeunesse. Ça veut dire que lui aussi en est conscient, au plus haut sommet de l'État, qu'il faut accentuer la recherche des solutions à la jeunesse. Il a parlé aussi du dialogue. Ce dialogue qui devient, comme quelqu'un le dit, un serpent de mer. Qu'on cherche, que tout le monde parle, mais on ne va jamais venir. Mais avec la nouvelle année, nous formulons le vœu que peut-être ce dialogue-là pourra réellement commencer. Et surtout, le chef d'État dit que c'est ce dialogue qui est la voie idoine pour trouver les solutions durables à notre pays. Parce que certains l'ont accusé il n'y a pas aussi très longtemps, qu'il n'est pas intéressé au dialogue, qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Une fois encore, il a montré qu'il est disposé à discuter avec ses adversaires, ne serait-ce que ses... les responsables de son parti sont prêts à discuter avec ses adversaires pour trouver des solutions. Il a également parlé de l'inclusion financière. Vous savez que
avec le FNFI ou autre chose, il faut accentuer pour que les populations vulnérables, et mon confrère Nouvelle Opinion l'a bien dit, les couches vulnérables. Aujourd'hui, vous avez vu les deux derniers mois ou les trois derniers mois avant la fin de, vous savez comment le chef d'État lui-même a sillonné le pays. Il veut aller voir. C'est vrai qu'il a des émissaires, mais c'est bien que lui-même aille voir. Donc, ça veut dire que il a une lecture transversale des problèmes du pays. Et il n'a pas trouvé l'occasion du 3 janvier pour annoncer un projet de société pour le Togo. Non. C'est des vœux. Et il a essayé de balancer certaines idées fortes pour l'année 2018 et pour les années à venir. Donc, pour dire que c'est un discours vraiment intéressant, parce que s'il va dire tout ce que chaque Togolais veut, ça veut dire qu'il aura, le discours là aura un volume de d'une Bible. Donc, oui, il nous pourra. C'est d'ailleurs pour ça que le législateur a prévu que une fois l'année, le chef de l'État ça, doit être c'est au lui Parlement seul, c'est, pour faire l'État oui, c'est, de la nation. C'est lui qui pourra répondre à, oui, non, à non, cette préoccupation. Je pose la question, voilà. Mais je dis, bon, mais là, peut-être que c'est pour qui n'est pas de cette division voilà. Là que le législateur a prévu qu'une fois l'an, que le chef de l'État se présente au Parlement pour faire l'État de la nation. Est-ce que vous avez été convaincu par le discours du chef de l'État, Elop? Contrairement à ce que Michel dit. Bon, vous savez, dans le discours du chef de l'État, il y a beaucoup de choses qu'on peut relever. Par exemple, la question du référendum est apparue clairement. C'est-à-dire, ça voudra dire, à part l'interview qu'il a accordée... Il évoque clairement sa volonté d'aller au référendum très prochainement. Oui, bon, je pense qu'il évoque clairement l'idée du référendum. Parce que déjà, dans l'interview accordée à Jeune Afrique, il a dit, on lui a posé la question, est-ce qu'il y aura un référendum? Il a dit, probablement, après le dialogue. Mmh. Après le dialogue, il y aura un référendum. Mais là, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir la question ou le libellé de la question autour duquel seront conviés les Togolais par rapport à ce référendum. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que vous voulez retourner à la Constitution de 92? Oui ou non? Je ne sais pas. Bon, maintenant, peut-être que le dialogue va permettre de définir les choses. Vous savez que ça se passera comme ça? Bah oui, bon, de toutes les façons... Il y a un test qui était au Parlement, c'est sur ce test-là qu'on interrogera les Togolais. Oui, mais aujourd'hui, le test est contesté par l'opposition. Bon, c'est pourquoi je dis, est-ce qu'au niveau du dialogue, on va pouvoir s'entendre sur la finalité de ce qui sera dit ou de ce qui sera soumis aux Togolais lors du référendum comme texte. Bon, maintenant, à part ça, la question de la jeunesse. Je pense, quand vous lisez les recommandations du sommet UAUE à Abidjan récemment, il y a ce qu'on a dit parmi ces recommandations, il y a quand même les chefs d'État qui ont demandé de façon collégiale que dans chaque pays se tiennent des forats de la jeunesse. Dans chaque pays, que les chefs d'État prennent langue avec la jeunesse pour qu'on puisse véritablement recenser les problèmes de cette jeunesse-là afin qu'on puisse combattre la migration clandestine. Et à part cette recommandation, il y a une recommandation relative à des allègements au niveau de la jeunesse en ce qui concerne l'entrepreneuriat, le renforcement de l'insertion professionnelle, etc. Et donc, je pense que le discours, quand je lis bien le discours du chef de l'État, je pense que ça s'inscrit dans cette logique-là de prise de langue avec la jeunesse. Maintenant, on va attendre de voir, parce que ce n'est pas bien, comme l'a dit Michel tout à l'heure, qu'on retrouve des personnalités, des mêmes à des postes, mais c'est comme si finalement on se moque des gens. Parce que récemment, vous prenez des gens qui sont à la tête de plusieurs structures, mais ce cumul de fonctions là aujourd'hui ne favorise pas l'éclosion de la jeunesse. Ça ne permet pas aux jeunes de pouvoir véritablement s'éclore, de prendre en charge leur destinée. Aujourd'hui, on parle de Provenat, de tout ce qui va comme programme et tout ça, mais véritablement, c'est des choses qui, on donne une première expérience professionnelle aux jeunes qui sont diplômés. Ça, c'est une bonne chose, oui. Mais aujourd'hui, on veut quand même essayer de résoudre la question du chômage et du sous-emploi des jeunes. Ça, c'est crucial. Le chômage, aujourd'hui, c'est vrai, c'est crucial par rapport à la jeunesse. Mais la question fondamentale, la problématique fondamentale, c'est le sous-emploi des jeunes. Vous avez des jeunes qui travaillent, mais qui sont à 20 000 francs le mois ou à 25 000. Ça, c'est le sous-emploi. Et c'est ça, en fait, qui constitue le problème fondamental. C'est notre problème, ça. Ça, c'est un autre problème. Qui sont sous-payés en dessous du SMIC. Et donc, il a parlé de cette jeunesse-là. Il a dit, j'envisage, par exemple, d'attribuer jusqu'à 20% le marché public aux jeunes et aux femmes. De réserver jusqu'à 20%. Donc, je pense que cette volonté, on espère que cette volonté puisse se traduire dans les faits afin qu'on puisse véritablement renforcer l'entrepreneuriat et la promotion de la jeunesse. Maintenant, autre chose, la question du dialogue. Oui, la question politique. La question on a dialogue. Le sentiment, quand on écoute beaucoup de Togolais, après ce discours du chef de l'État,
qu'on l'attendait beaucoup plus sur des questions politiques, puisque c'est ça qui intéresse l'opinion depuis quelques temps maintenant. Et oui, effectivement, on l'attendait beaucoup plus sur des questions politiques, référendum, dialogue et tout ça. Mais aujourd'hui, la question du dialogue, c'est une question préoccupante. Et le chef de l'État a dit qu'avant la fin de l'année 2017, dans l'interview accordée à Jeune Afrique, avant la fin de l'année 2017, on va pouvoir avancer véritablement sur les contours de ce, voilà, le comité préparatoire. Mais jusque-là, on ne sent pas encore. Aujourd'hui, le 8 janvier, on ne sent pas encore ce qui se passe. Les consultations qui ont été faites par le Premier ministre, on n'a pas les résultats. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas qui était là, qui n'était pas là. Et la coalition a dit qu'elle ne participera pas au dialogue. Tantôt, on dit qu'on participe au dialogue. Finalement, aussi, on ne sait pas ce qui se passe au niveau de la coalition. On danse un peu le tango. On dit officiellement qu'on participe au dialogue. On dit sur les antennes qu'on va participer au dialogue, si. 3 points de suspension. Donc, on ne comprend pas exactement au niveau de la coalition si ce qui se passe. Et donc, sur la question du dialogue, véritablement, on n'a pas senti véritablement quelque chose qui va se passer dans les prochains jours. Ce qu'on souhaiterait aujourd'hui, c'est qu'on puisse fixer une date du dialogue pour qu'on puisse véritablement démarrer avec un ordre du jour clair et un cadre de discussion clair. Parce que, économiquement, le pays est asphyxié. Et on ne peut pas rester dans cette situation pendant trop longtemps. Vous avez l'impression que le chef de l'État n'a pas proposé une porte de sortie réelle par rapport aux discussions politiques? On ne dit pas comment ça va se passer? Non. On annonce justement des intentions de référendum, d'un prochain dialogue, un dialogue hypothétique à la fin. Non, je ne m'attendais pas en fait à une date qui sera communiquée par le chef de l'État. Je pense que ça relève beaucoup plus du gouvernement, etc., qui vont pouvoir piloter le processus. Mais sur l'agenda clair du dialogue, etc., moi, personnellement, je suis resté sur ma soif parce qu'on attendait plus le chef de l'État dire exactement, donner un agenda clair de ce dialogue-là. Mais comme je l'ai dit aussi tantôt, on ne voit pas une opposition volontariste qui veut réellement de ce dialogue-là. Et on dit, nous voulons ci, nous voulons ça, tantôt nous irons au dialogue, tantôt nous n'irons pas en dialogue. Il y a une communication éparse au niveau de l'opposition qui ne permet pas de maîtriser en fait la structure de cette coalition des 14 ou de sa volonté à aller vers la table de discussion pour régler les problèmes. Ça aussi, c'est un autre enjeu. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on voudrait aujourd'hui que les Togolais puissent s'asseoir et discuter. Aujourd'hui, aucun autre problème ne pourrait être réglé par la question du dialogue. Il va falloir qu'on puisse s'asseoir et discuter véritablement. Maintenant, la question fondamentale, c'est d'avoir l'ordre du jour. Deuxième question, qui sera invité? Troisième question, est-ce qu'on aura un médiateur? Parce que je pense qu'il me semble que c'est les trois questions fondamentales qui intéressent l'opposition et le parti au pouvoir. Mais comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas rester dans cette situation économique invivable. Aujourd'hui, tout est mort. Ah oui, le pays ne vit pas économiquement. On l'a senti en cette période de fête. Oui, mais économiquement, non, mais c'est ça l'enjeu principal. C'est-à-dire que les gens n'ont pas aujourd'hui, si au niveau de l'opposition ou au niveau des gens, on peut faire un bilan économique de ces manifestations depuis 5 mois, je vous dis que les choses vont mal. L'État togolais, à travers le trésor public, est obligé de lancer un emprunt obligataire de 60 milliards sur le marché régional pour régler la dette intérieure. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire aujourd'hui, quoi qu'on dise, le pays est asphyxié. Il va falloir qu'on puisse véritablement prendre conscience, s'asseoir pour dire que non, avant tout, le Togo doit passer. Alors, c'est vrai qu'on a écouté l'opposition, hein, les critiques qu'elle formule vers le chef de l'État après son discours. Maître Diabévon disait entre autres sur RFI qu'il a le sentiment, lui et ses amis, ils ont le sentiment que Faure Gnassingbé n'est pas au Togo, qu'il n'est pas président du Togo, qu'il ne voyait pas les difficultés du pays depuis plusieurs mois maintenant. Est-ce que sur le plan politique, le pouvoir de Faure Gnassingbé n'aurait pas gagné aussi en allant vite, plus qu'on ne le pense aujourd'hui? Non, pourquoi? C'est pour qu'il y ait dialogue, qui va le convoquer? Ce n'est pas l'opposition qui va convoquer le dialogue, c'est le gouvernement qui va le faire. Et si le gouvernement a commencé les consultations, rappelez-vous, c'est dans l'optique de pouvoir appeler à ce dialogue-là. Mais encore faut-il qu'il y ait des acteurs prêts à aller à ce dialogue-là. Et l'homme le disait tout à l'heure, quand vous écoutez l'opposition, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont prêts à aller tout de suite au dialogue, puisqu'ils ont, ils sont encore restés dans leur préalable,
Et on parle aussi du facilitateur. Et on dit aussi que certains ne devaient pas être à la table de discussion. Tout ça là, c'est des choses qui retardent le dialogue. Et ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le nouveau gouvernement à commencer à consulter certains acteurs clés, notamment les anciens premiers, certains responsables de partis politiques, dont UNI. C'est pour voir, parce que demain, il ne faut pas autour de la table qu'on oublie un aspect de la chose. Ça ne veut pas dire que le gouvernement, en consultant les acteurs-là, tous ceux qu'on a consultés seront autour de la table. Mais on veut quand même voir les contours. Comment les gens voudraient que ce dialogue, quelle forme? Si on veut que la table soit carrée ou rectangulaire, il faut. C'est en concertant les gens qu'on pourra décider de comment. Oui, mais en même temps, le gouvernement est partie prenante du problème qu'on a aujourd'hui dans le pays. Mais tu voudrais que l'opposition aille dialoguer seule? Non, ce serait avec le gouvernement. Mais le gouvernement consulte encore lui qui est partie prenante. Mais qui va convoquer le dialogue? Mais d'où l'idée finalement de médiateur. Mais même ce n'est pas le médiateur qui va convoquer le dialogue. Si le médiateur il doit avoir, c'est qu'il faut que le gouvernement convoque le dialogue. Le médiateur ne va pas venir comme un John Bri descendre au Togo, dire bon, hey, venez, et puis on va discuter. Non, il y a les autorités en place. Avant même qu'un chef d'État ne reçoive un opposant ou, je sais, un acteur politique togolais, mais il va d'abord demander l'avis de son homologue. Donc, pour dire que, quoi qu'on le veuille ou pas, c'est que le gouvernement, vous trouvez qu'il est parti pour eux, mais c'est le gouvernement qui est en place, qui doit quand même coordonner les choses. Mais rien ne dit pas que si le gouvernement, qui est acteur dans les discussions, le fait de piloter les choses, ça va fausser le jeu. Non, moi je ne crois pas. Aujourd'hui, et l'homme le disait, le temps presse. Le Togo vit mal, les Togolais vivent mal. La situation économique, mais lisez seulement le visage des opérateurs économiques. Lisez sur leur visage. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais ça ne va pas. Les gens, on annonce que des marches encore pour cette semaine. On ne sait pas si ces marches tiendront ou pas. Mais c'est des choses qui vraiment créent des ennuis économiques à notre pays. Et qui vraiment écornent l'image du Togo à l'extérieur. Mais alors, il faut quand même, moi, à mon avis, au niveau de l'opposition, c'est de voir ce qu'on peut faire maintenant, ce qu'on peut laisser de côté, aller au dialogue. Peut-être on peut l'obtenir dans le dialogue. Et de rester et dire qu'on ne veut pas de médiateur, qu'on ne veut pas certains. Alors qu'on veut, au même moment, on veut un dialogue inclusif. C'est qui on veut qu'on mette de côté si la personne est un acteur politique? Qui on veut qu'on laisse de côté? Tout le monde doit contribuer. C'est l'essentiel. C'est vrai qu'on a mené ce débat par le passé ici. Oui, ce n'est pas la peine de tergiverser. Oui, mais en même temps, il y a aussi une constance. Oui. Il y a des gens qui sont dans la rue, ils sont demandeurs de quelque chose. Très bien. Mais il y a certains qui demandent, mais peut-être que tu ne le sais pas. Non. Qui demandent, mais ils ne le demandent pas bruyamment. En cassant. En frappant les gens. Non. Mais ces gens, vous voulez qu'on les mette de côté? Moi, je ne crois pas. Ils demandent comment est-ce qu'on le saura? Mais comment? Mais pourquoi? Parce que tu penses que ceux qui veulent le changement pour le Togo, c'est ceux-là seuls qui sont dans les rues? Non, je pose la question. Non, il y a des gens, des acteurs politiques, qui ils ont des canaux pour réclamer un certain nombre de choses. Mais l'occasion est donnée pour que tous aillent et discutent véritablement. Et on ne peut pas, si demain, on discute avec ceux qui sont dans la rue, et le lendemain, certains ressortent, on va encore reconvoquer un nouveau dialogue. Voilà. Alors, ça, c'est un élément essentiel sur lequel on aura toute la difficulté pour rassembler le point de vue. Bon, en fait, la question du dialogue... Tu ne participes pas aux discussions politiques. Oui, mais c'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez une opposition, la coalition des 14, qui vous dit officiellement sur des antennes que nous ne sommes que l'interlocuteur crédible et valable lors de cette rencontre ou lors de ce dialogue-là. Le pouvoir, je cite hein, ce que en l'occurrence Jean-Pierre Fabre, du président national de l'ANC, qui a dit, le pouvoir n'a aucun intérêt à inviter ses partis, béquilles ou satellites autour de cette table-là. Si le pouvoir a vraiment envie de discuter,
C'est avec la coalition des 14 partis de l'opposition parce que c'est elle qui se retrouve dans la rue. Je fais une citation. Bon, moi personnellement, il y a quelque chose qui me gêne parce que au sein de la coalition des 14 partis de l'opposition, il y a des partis qui ne se sont jamais confrontés au suffrage universel. Oui, beaucoup. Voilà. Donc déjà, sur cette base-là, on ne peut pas aujourd'hui prendre ce... Au nom de quoi on va prendre des gens qui n'ont jamais participé à des élections, on va les emmener au dialogue et laisser sur le carreau des gens qui ne se retrouvent pas dans la coalition, mais qui ont déjà participé à l'élection. En même temps, la crise n'est pas par rapport à ceux qui ont déjà été aux élections ou ceux qui ne l'ont jamais été. Mais écoutez, on mesure la force politique. Le contentieux ne dit pas tout ce sujet. On mesure la force politique d'un parti politique par rapport à quoi ? Par rapport à sa participation aux élections. Aujourd'hui, j'ai dit que le PNP ne peut pas être exclu lors de ce dialogue. Quoi qu'on dise, j'ai suivi un leader de l'opposition dire que non, que la PG prévoit le cadre de discussion lors des problèmes. Qu'il va falloir qu'on puisse retourner à la PG. Moi, j'ai dit non, mais écoutez, vous ne pouvez pas aujourd'hui faire une discussion sur la base des recommandations de l'accord politique global. Parce que l'accord politique global, aujourd'hui, quoi qu'on dise, celui qui a redonné un nouveau souffle à la contestation populaire, c'est le PNP. Ben, si le PNP aujourd'hui ne se retrouve pas à table de discussion, il n'y a pas match. Parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui rassembler des gens et qui vont discuter et. Au même moment où vous avez dehors le Parti national panafricain qui manifeste, ça veut dire qu'il y a déjà un échec. Il faut associer tout le monde, mais attention, je dis, il y a des gens au sein de cette coalition qui ne se sont jamais confrontés au suffrage universel. On mesure leur poids politique grâce à quoi ? Il y a des partis politiques membres de cette coalition qui se sont créés il y a 6 mois, 7 mois, mais qui travaillent aujourd'hui sur leur implantation, qui ne se sont pas encore totalement qui ne se sont pas encore implantés sur l'étendue du territoire et qui n'ont pas d'assises politiques pour le moment. Au même moment, il y a des partis politiques qui ont déjà participé à des élections présidentielles, à des élections législatives, qui ne sont pas membres de la coalition, mais qui ne manifestent pas dans la rue. Vous croyez qu'ils n'ont pas de revendications, comme l'a dit Michel ? Eux aussi, ils ont leurs revendications. Donc, pour dire en fait que le dialogue doit être inclusif, mais attention au choix de ces partis politiques. Soit on dit, on vous choisit sur la base de votre participation aux élections. Parce qu'il y a des partis politiques au Parlement qui ne sont pas membres de la coalition. Oui. Bon, maintenant, ces partis parlementaires, Alors, quoi? À cette allure, on appellera tous les partis politiques au Togo à la table de discussion. Non, je pense qu'il doit y avoir des critères. Est-ce que ce n'est pas la peur de convoquer certains qui, en réalité, sont des soutiens au pouvoir, qui fait qu'au niveau de l'opposition, beaucoup plus au niveau de la coalition de 14 partis politiques, on est un peu réticent à ce qu'on ouvre un peu plus les vannes. Non, vous savez, aujourd'hui, tout le monde Est-ce sait qu'au niveau... Est-ce que cette crainte n'est pas, d'une certaine façon, justifiée ? Non, en fait, vous savez, on a aujourd'hui une opposition plurielle. Les gens n'aiment pas qu'on les critique. Vous avez une opposition qui est hostile à la critique. Moi, je n'ai jamais vu ça dans un pays. Vous avez une opposition... À partir du moment où vous dites, vous n'êtes pas ci, vous n'êtes pas ça, on vous dit non, ceci, vous êtes vendu, vous êtes cela. On a une opposition hostile à la critique. Et ça, c'est dangereux pour la démocratie. C'est extrêmement dangereux pour la démocratie. On estime au niveau de l'opposition que s'il y a critique à avoir, c'est vers le pouvoir. Vers le pouvoir. Mais parce que on vous dit que, bon, vous est-ce que... Vous critiquez le pouvoir. Voilà. Est-ce que... Oui, mais ça y est, des fois, les gens vous disent que oui, on est ouvert à la critique. Mais en réalité, quand vous critiquez, aujourd'hui, vous émettez une petite critique envers l'opposition. Mais on vous dit que non, vous êtes vendu, vous êtes ceci, vous êtes cela. Alors qu'il y a une opposition plurielle. Vous avez des gens qui ne s'entendent pas. Vous avez des gens qui ne se retrouveront jamais autour d'une table de discussion. Moi, je vous dis que s'il y a quelqu'un... Jamais, on est en politique, on dit jamais. Non. Vous avez quelqu'un comme Edem Kodjo, que je respecte bien, de Pass Africana. Vous avez, si aujourd'hui, Edem Kodjo, que je respecte bien, est désigné comme médiateur au sein de ce dialogue-là, vous avez des partis politiques, membres de la coalition, qui ne s'asseront jamais à la table de discussion. Vous parlez d'Agouibo ? Je dis jamais, ils ne s'asseront jamais. Et vous pensez que ça, c'est une bonne chose pour la démocratie ? Non ! Il y a des réalités. Pourquoi tu as pris Edem Kodjo de dehors, dans la coalition même ? Vous pensez que le CARE et les FDR, là, ils peuvent s'asseoir pour faire quoi ? Mais ils sont là-bas conjoncturellement. Non ! Mais ils sont là quand même. Au moment venu, vous verrez. Vous verrez, c'est pourquoi il faut que le dialogue commence. Vous allez voir. C'est pourquoi je dis qu'il y a une Vous allez voir. Pluriel. Aujourd'hui, ils vont faire quoi ensemble ? Le CARE, le FDR, non. Ils sont là-bas d'une manière conjoncturelle, circonstancielle. Bon, prouvez oui, que. Enfin, c'est une coalition conjoncturelle. Oui, mais écoutez, tous ils vous disent qu'ils ont le même objectif, ils veulent ceci. Mais quand vous les écoutez individuellement, il y a des petites différences. Hein.
quand vous les écoutez, par rapport au dialogue, par rapport à la manière dont chose, il y a, quand vous les écoutez finement, il y a des petites différences. Pour dire que, en réalité, ce problème de parti béquille, parti, il n'y a aucun instrument pour mesurer la force ou bien la. En tout cas, je vais le dire, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il y a un instrument pour mesurer si tel est bon opposant, tel est mauvais opposant, il n'y a aucune machine, il n'y a aucun instrument. C'est sur le plan idéologique qu'on retrouve les qu'on, en tout cas, différencie les acteurs politiques. Aujourd'hui, le fait de dire que tel est béquille à tel parti politique, c'est une vue d'esprit. Ça n'a aucun sens. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, si je prends Yabas Kaba par exemple, oui. Il était dans CAP 2015, non ? Il a fait CST, il était dans CAP. Tu sais ce qu'il, tu sais tout ce qu'il cherchait à la plage. Mais aujourd'hui, on va taxer Abbas Kaba d'être béquille du pouvoir. Mais je trouve ça vraiment ridicule. C'est des mois, hein, et qu'on trouve aujourd'hui Abbas Kaba comme il est un mauvais opposant. Celui-là, qu'on arrangeait les podiums à la plage, il chauffait les foules. Aujourd'hui, on trouve pour des besoins de la cause que c'est Jerry Tama, par exemple, celui-là qui a été à la présidentielle, qui a été aux législatives. Qu'on trouve que lui-là, il est opposant, mais il n'est pas clair. Bon, ça, en politique, ça n'a pas de sens. Je pense que l'heure est venue. Il faut régler d'une manière durable la crise togolaise. Et pour le faire, il faut écouter tout le monde. En tout cas, ceux qui, ces dernières années, ont fait montre de tenir quelque chose sur... Cette guéguerre qu'on observe depuis... plusieurs mois, qui finalement fait que la crise s'enlise, à qui cela profite-t-il? Non, je pense que la question est la bienvenue. On a aujourd'hui l'impression, parce que moi j'ai toujours dit que depuis le 19 août, ce qu'on a vu, la succession d'événements qu'on a vu suffit à traduire en stratégie politique les manifestations populaires. Et depuis le 19, on marche, le pouvoir encadre, on va à la plage. On vend quelques t-shirts, des casquettes. On dit, bon, rebelote, c'est la semaine prochaine. Quelquefois, le pouvoir félicite à la fin des manifestations. Le caractère pacifique des manifestations depuis le 19 août. Donc ça, c'est bizarre, ça. Les manifestations prennent l'allure d'une caravane politique que d'une réelle manifestation. Ou de marche de santé. Voilà. Donc, on est là, on mobilise les gens. On dit, aujourd'hui, on a 1 million de Togolais dans la rue. On vous encadre proprement. Vous allez à la plage. Après, on fait une conférence de presse. On dit ceci, ceci. Et le ministère dit que, bon, on salue le caractère pacifique des marches. Mais si c'est manifesté comme ça, là... Que voulez-vous? Non, mais... Qu'il y ait des... Grabuches. Des grabuches. Non, pas ça, mais c'est-à-dire... Quand vous prenez l'opposition, quand vous dites que, par exemple, vous voulez faire peur, vous voulez faire pencher le rapport de force en faveur de l'opposition, je dis, ce qu'on a comme mobilisation populaire suffit à traduire en stratégie politique ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on voit qu'au niveau de l'opposition, on ne marche que pour marcher, il n'y a aucune stratégie derrière. Mais on marche, après on dit que bon, on va aller au dialogue, on ne va pas aller au dialogue. On fait croire que, bon, on ne veut pas médiateur. Manifestation de rue fait partir à Fort Niassimbi. Oui, mais pendant ce temps, le pouvoir voit que mais vous marchez. Et tout est pacifique, ça se passe bien, continuez de marcher. Bon, si vous voulez marcher même tout la journée, il n'y a pas de problème, marchez seulement. Mais jusque-là, le rapport de force n'est pas en votre faveur. Mais aujourd'hui, le pays va mal. Économiquement, on est assis sur des braises. C'est-à-dire, ça, c'est une réalité. Maintenant, à qui profite cette situation? C'est pourquoi on dit qu'il faut aller au dialogue. Il faut définir le cadre. Il faut élaborer des critères qui vont permettre de sélectionner des gens. Au nom de quoi, par exemple, le pouvoir va discuter exclusivement avec la coalition des 14 et non avec des gens qui ont participé à des élections législatives et présidentielles. Au nom de quoi? Vous pensez aujourd'hui, c'est vrai qu'un parti comme le PRR a dit que bon, moi je ne veux plus du dialogue, je ne vois pas ce que je vais aller foutre. Mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, on ne peut pas faire un dialogue sans inviter le PRR. Vous êtes d'accord avec moi? Non, il ne s'agit pas de dire si c'est d'accord ou pas. Oui, mais parce que le PRR a été, même si on dit quelque chose qui n'est pas, je ne sais pas comment on le dit, mais le PRR doit aujourd'hui aussi être invité. Il y a d'autres partis. Mais le PR n'est pas membre de la coalition des 14. Et le PR ne s'est jamais associé à un regroupement de partis politiques dans la lutte politique au niveau de l'opposition. Et donc, moi, c'est ça qui m'intrigue. C'est-à-dire cette volonté de dire, nous sommes les interlocuteurs valables. Les autres ne sont pas membres de la coalition. Et il n'y a pas question d'associer les autres parce qu'au nom de X, au nom de Y. Donc, moi, personnellement,
C'est ça le blocus, en fait. C'est ça qui bloque aussi le dialogue. Cette volonté de dire, nous sommes crédibles, les autres ne sont pas crédibles. Aujourd'hui, on a une opposition plurielle qui se cherche. Et donc, pendant tout ce temps, la situation actuelle, en réalité, profite au parti au pouvoir. L'ANC, aujourd'hui, est une émanence de l'UFC. Le FDR est une émanence du CAR. Mais il y a d'autres partis qui sont sortis d'un autre parti. Mais tout ça, aujourd'hui, au niveau de l'opposition, ça pose un problème. Et donc, il va falloir harmoniser tout ça. Voir, parce que ceux qui disent que nous sommes crédibles, les autres ne sont pas crédibles, moi, ça, personnellement, ça pose un problème. Très bien. Ben, écoutez, nous allons marquer une pause publicitaire. On se retrouve après, dans 2-3 minutes. Nous reviendrons sur ces manifestations politiques depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, si vous voulez. Et ça fait 6 mois que des Togolais sont indignés de la gouvernante de Fort Yensingué réclamant le retour à la Constitution de 92, le vote de la diaspora, ou carrément le départ de Fort Yensingué. Ça fait aussi 6 mois que Fort Yensingué est toujours au pouvoir. Et on a le sentiment, je le disais, que la peur a changé de camp. Le dialogue autrefois commandé par le pouvoir de Fort Yensingué semble être aujourd'hui réclamé à corps et à cri par l'opposition. On n'a même pas de garantie qu'elle aura. Alors, la pression de rue, c'est sans issue, comme Maître Degli le disait dans ce vœu à la Nation récemment. Nous reviendrons sur le sujet. Retour en studio pour le Taxi Press ce matin. Michel Tadia, le patron du journal Voir les Vainqueurs, et l'homme Atisogbe, le patron du journal La Nouvelle Tribune. Ça fait 6 mois que l'opposition est dans la rue. Tout à l'heure, Elon, vous disiez que l'opposition, depuis 6 mois, n'arrive pas à quantifier cette fièvre populaire dans la rue. Manque-t-elle véritablement de stratégie politique sur ce coup-là? Bon, véritablement, on pourra le dire, parce qu'on est dans le 5e mois. Oui. Dans le 5e mois de manifestation politique. On amorce, oui, on va faire 6 mois de bilan bientôt, mais on ne voit pas véritablement. On sait qu'il y a un impact, c'est-à-dire que les marches populaires, les manifestations politiques paralysent l'activité économique. Oui, il y a quand même une certaine conséquence de ces manifestations politiques, mais sur le plan politique, on ne voit pas encore, c'est-à-dire ce rapport de force penché du côté de l'opposition. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi je ne suis pas un homme politique, je suis journaliste et je constate, oui, et je commente, on analyse. Mais des fois, quand vous dites cela, les hommes politiques ils vous disent oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que vous n'êtes pas citoyen? Est-ce que vous n'êtes pas Moi, je suis pas un homme politique. C'est vous qui vous êtes investi en politique. Et c'est fort de ces stratégies que vous voulez quand même essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Mais aujourd'hui, on ne constate pas que le rapport de force a changé. Le 13 janvier, on va marcher de nouveau. Oui, on va dire qu'il y a peut-être 1,5 million de Togolais dans les rues. Après, on va à la plage, on fait un discours. Et la semaine prochaine, on va encore convoquer de nouvelles manifestations. Mais on ne voit pas encore le bout du tunnel. C'est-à-dire, la question du dialogue aujourd'hui, comme vous l'avez dit avant qu'on ne parte pour la pause, semble plutôt être aujourd'hui une question qui tourne. Le pouvoir semble avoir repris la main. Qui tourne vers l'opposition, parce que c'est l'opposition aujourd'hui qui dit non, nous voulons un médiateur. La médiation n'a pas totalement enlevé sa main de la crise politique togolaise. Il va falloir que nous puissions véritablement rester collés à la médiation pour qu'on puisse trouver une issue à travers un dialogue et politique. Mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, il va falloir que le pouvoir puisse véritablement fixer la date du dialogue. Comme l'a dit Michel, c'est le pouvoir qui va convoquer le dialogue. La clé dans les mains. La clé dans les mains du pouvoir. Convoquer une date, le cadre de discussion, l'ordre du jour, pour qu'on puisse véritablement aller de l'avant. Mais si l'opposition ne vient pas, là on dit bon, on va trouver des formules pour dire oui, parce que quoi qu'on dise, il va falloir que la coalition des 14 s'asseye avant que le dialogue, parce que si la coalition des 14 boycotte le dialogue, il y a pas de dialogue. Mais la rue grondera toujours. Oui, c'est ça le problème, c'est-à-dire il va falloir que la coalition des 14 s'asseye. Bon, maintenant, si la coalition des 14 s'asseye, le pouvoir s'assoit et que le cadre est ouvert, l'ordre du jour est clair, il va falloir qu'on puisse véritablement aller de l'avant pour qu'on puisse sauver le Togo. Parce qu'aujourd'hui, la situation économique dans laquelle le pays se trouve n'est pas du tout agréable. Alors, l'opposition, finalement, aujourd'hui, est plongée dans un labyrinthe. Une pression de rue, finalement, qui, pour certains, est sans issue. On n'arrive plus à s'en sortir. Mais c'est pourquoi les jours à venir sont vraiment déterminants pour l'opposition, parce que leurs militants risquent de se retourner contre eux.
Parce que juste après le 19 août... Ah, c'est pas exclu, hein? Oui, juste après le 19 août, en tout cas les semaines qui ont suivi le 19 août, vous avez vu l'ambiance qui régnait au pays. Et c'est dans cette foulée-là que le gouvernement a envoyé deux ou trois articles à l'Assemblée nationale pour... Adoption. Et malheureusement, l'opposition a pris ses bagages, elle est partie et ça n'a pas eu lieu. Ça ouvre maintenant la voie à un référendum. C'est une disposition constitutionnelle, c'est pas Faure Gnassingbé qui a inventé cela. Mais dans ces conditions-là, peut-être les militants croyaient que c'était possible d'avoir quelque chose par rapport à ces réformes-là. Maintenant, vous voyez, plus le temps passe, plus l'opposition se cherche. Et l'on m'a parlé de... Mais la rue ne décolère toujours pas. Oui, mais pour combien de temps? Encore? Oui. Parce que l'on m'a posé trois questions fondamentales. J'ai souri. Question de facilitateur. Qui va venir au dialogue? L'ordre du jour. Et l'ordre du jour. Pour le moment, rien n'est, en tout cas, décanté à ce niveau-là. Alors que... Le temps presse, les législatives nous attendent et les locales, les barres de fonds, les partenaires multilatéraux sont en train de nous demander d'aller à ces locales-là et nous allons, des milliards nous attendent dans l'air. Et selon plusieurs informations, ce n'est pas exclu qu'on cumule les locales et le référendum. Bon. D'ici avril prochain. Bon, pour le moment, on n'en sait rien. Oui. Mais c'est des choses. Ce sont des informations qui fuient. Voilà. Donc, le temps passe. Et l'opposition, et comme le disait l'homme, je reviens, est en train de danser le tango-tango. Et je crains que leurs militants ne se retournent contre eux. Et si d'ici là, rien n'est fait. Parce que quand vous regardez le schéma qui se présente au pays actuellement, le pouvoir est prêt. Mais l'opposition a beaucoup de choses à régler d'abord. C'est ça. Elle a beaucoup de choses à régler avant de voir s'il faut aller à ce dialogue ou pas. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Et demain, on ne va pas accuser le pouvoir de ne pas... Alors que le pouvoir aussi a intérêt à opérer un certain nombre de réformes parce que la communauté internationale a les yeux rivés depuis plus de 6 mois sur le Togo. Mais si rien n'est fait, mais on dira, mais Excellence, vous aussi, mais faites quelque chose. Donc, c'est aussi un devoir pour le gouvernement d'opérer les réformes. Je pense que Gilbert Ouara le disait un jour sur une radio sœur à Taxi FM, que le dialogue se fera avec ou sans la coalition. Oui, mais ça, c'est un langage politique. On sait tous que ce n'est pas possible. Oui, bon, c'est une manière de mettre pression sur cette coalition-là, que bon, tout est prêt, c'est vous qu'on attend. Les marches qu'on annonce, c'est dans quel but? Parce que je suis de ceux-là qui pensent que l'opposition a suffisamment démontré ses forces. Et aujourd'hui, elle a le temps maintenant de se préparer pour aller au dialogue. Encore des marches, c'est des marches incompréhensibles à mon avis. Si ça peut les apporter quelque chose, tant mieux. Mais s'il faut marcher et aller à la plage et le soir on dit ça s'est bien passé, bon, ça va continuer comme ça et comme ça, et jusqu'à quand? Il faut à un moment donné arrêter et voir concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir le pays. Parce que ce que l'opposition ignore ou fait semblant d'ignorer, c'est que si le pays est exempt, demain, à supposer qu'ils viennent au pouvoir, comment ils vont gouverner un pays en lambeaux, ruiné? Et donc, ils doivent aussi penser aux Togolais. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons mal, parce que la situation n'est pas... En tout cas, la situation n'est pas correcte, n'est pas en rose pour tout le monde. Et donc, quelqu'un le disait ici, nous avons vu comment les fêtes de fin d'année se sont déroulées dans les foyers. Les gens, contrairement pas les années passées où les gens trouvaient le temps de bien fêter, les gens ont trouvé que les fêtes n'ont qu'à venir passer vite, vite. Et on va voir comment demain sera fait. Donc, tu vois, quand dans un pays, les gens réfléchissent comme ça, vraiment, ça veut dire que le cœur n'y est pas. Et le quotidien est suffisamment menacé. Si les populations qui sont toujours dans les rues pour réclamer le départ de Faure Gnassingbé
s'il ne ramène pas la constante 92 ou s'il ne permet pas que la diaspora puisse voter. Alors, si ces Togolais commencent par se retourner contre l'opposition, est-ce que finalement, ça ne remettra pas beaucoup de choses en cause? Oui, bon, c'est vrai, si aujourd'hui... Il semble que le pouvoir a toujours a misé sur cela beaucoup plus tôt. En fait, il faut reconnaître aussi que le pouvoir devrait, il y a eu suffisamment de temps où le pouvoir devrait véritablement introduire ce projet de réforme à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse vider cette question. La question de l'accord politique global, on a traîné dessus. 2006, 2016, on a fait 10 ans, on est à 12 ans de la PG. Et entre-temps, le facilitateur est tombé, il n'est plus président de la République de son pays, alors que la PG prévoit les modalités de déblocage. Quand il y a blocage, par exemple, le facilitateur aujourd'hui qui ne se retrouve plus président, on ne sait plus qui va jouer à la facilitation au niveau de la PG. Donc du coup, la PG est paralysée. C'est logique, hein, la PG est paralysée. Maintenant, le reliquat de l'accord politique global, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Mais le facilitateur est en train de changer même de nationalité. Voilà. Le facilitateur a même en train de changer de nationalité. Et là, c'est pire. Ça veut dire que. Ouais, ça veut dire non, que... il n'a pas changé de nationalité. Il a pris une deuxième nationalité. Oui, bon, il est devenu binational. Voilà. Comme beaucoup. Donc, ça fait que la PG aujourd'hui est paralysée. On ne peut plus aujourd'hui faire une discussion autour de la PG. Parce que l'accord, il va falloir revoir l'accord ou sinon signer un autre accord. Maintenant, par rapport à l'avenir politique du pays. Et le pouvoir n'a pas vite fait de vider la question des réformes, mais aujourd'hui on a introduit un test à l'Assemblée nationale pour pouvoir limiter les mandats, parce que moi, ça c'est beaucoup plus fondamental pour moi, on parle des mandats présidentiels et des députés législatifs, oui. Mais au niveau de la classe politique de l'opposition, on ne semble pas insister sur la limitation du mandat des députés. Oui, ça ne préoccupe pas. Ça ne préoccupe pas que le poste de président de la République. Effectivement, là, je pense que oui, mais je pense que ça doit aussi préoccuper que le poste du président de la République, c'est le mandat, parce que là aussi, je pense que c'est un autre débat qu'on va devoir faire après, parce qu'il y a des députés qui ne voudraient pas que on limite les mandats. Oui. Oui, mais on en connaît. On en a entendu. Voilà. Donc, les mandats législatifs. Donc, il va falloir qu'on puisse limiter les mandats et qu'on aille vite. C'est-à-dire, le pouvoir aujourd'hui, par ce test au niveau du Parlement, d'y avoir montré une volonté de pouvoir limiter les mandats et de pouvoir faire une élection au mode de scrutin à deux tours. Donc, au niveau de la classe politique de l'opposition, il va falloir qu'on puisse véritablement accélérer les choses pour qu'on puisse dire oui. Nous voulons aller vers la limitation de mandat et à partir de maintenant, la présidentielle prochaine, c'est dans 2 ans. Si on continue sur cette lancée et qu'en 2020, on fait une élection et que c'est en 2020 qu'on limite les mandats, je ne sais pas quand est-ce que ça va pouvoir s'appliquer. Alors que si on le fait maintenant, parce qu'il y a une question autour, il y a un débat autour de la rétroactivité ou non de la loi constitutionnelle. Et il y a eu beaucoup de débats, hein, autour de ce sujet. En tout cas, chez nos confrères de Liberté ce matin, Brigitte Adjamangou-Johnson est informelle. Hein, en aucun cas, nous ne devons fléchir à tel martelé. On verra jusqu'où ils iront dans cette posture aujourd'hui. Un autre sujet, et on va s'arrêter là-dessus, c'est le cas du PNP qui revient encore au devant de la scène. Récemment, dans l'interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique, le chef de l'État a revenu un petit peu sur le sujet, évoquant le djihadisme, l'intégrisme. Et dans son discours, même s'il n'a pas fait trop allusion, le sujet est revenu ici et là. Au point où le confrère Liberté ce matin a fait un article là-dessus, évoquant le jeu dangereux de Faure Gnassingbé en liant le PNP au djihadisme. On nous rappelle également qu'il y a trois membres du parti PNP qui sont écroués donc à la prison civile de Lomé depuis quelques jours. Il y a un autre qui a été enlevé hier à Kara par des jeunes cagoulés, c'est le confrère Liberté qui nous apporte cette information. Alors, est-ce que le parti de Tipi Yatadam, finalement, est un parti djihadiste? C'est difficile comme ça, je sais. Mais quand on écoute les uns et les autres, finalement, ça renvoie à l'idée là. Mais c'est qui a écouté? Mais les officiels. Non, moi je ne suis pas dans cette logique. Je considère le PNP comme un parti comme tous les autres. Le PNP n'est pas créé le 19 août. Non.
c'est depuis le 2012. Si on savait que c'est un parti qui est assis sur des bases djihadistes, pourquoi on devait autoriser sa création? Vous comprenez? Moi, je me dis qu'il a rempli les conditions liées aux chartes des partis politiques. Et c'est pourquoi on l'a remis. On l'a remis sans récépissé. En tout cas, on l'a donné le quitus pour mener ses activités. Maintenant, ses sources de financement. On dit qu'il a des sources de financement. Parce que moi, Yassi ici, je ne sais pas. Ceux qui le disent, peut-être qu'ils ont les instruments de contrôle, de vérification. Et peut-être qu'ils se sont rendus compte que peut-être c'est un parti qui a des relents djihadistes. Moi, je ne sais pas. Ça, honnêtement, mon rôle de journaliste m'interdit d'avancer sur des terrains que je ne maîtrise pas. Voilà. Donc, je n'ai pas de moyens ici pour savoir si le PNP est un parti djihadiste ou pas. Non. Et j'ai l'impression que c'est un parti qui a commencé ses activités il y a des années. Et avant même le 19 août, il a organisé des meetings à l'intérieur, à Lomé ici. Personne n'a rien dit. Nous, on était les seuls à se poser la question. Est-ce que c'est un opposant, sa montée fracassante, c'est un opposant réel ou bien c'est un plaisantin artificiel. Voilà. Bon, à l'époque, ça n'intéressait personne. Les gens ne lisaient même pas nos journaux. Bon, jusqu'à ce que le 19 août, les Togolais ont découvert le vrai visage du PNP. Mais aujourd'hui, quand on nous dit, quand on apprend que c'est... Moi, je n'ai pas de moyens pour apprécier. Donc, c'est un parti comme tout et tout. Mais peut-être dans son fonctionnement, les gens peuvent trouver... mais ce n'est pas encore établi formellement, à ce que je sache. Oui, mais quand on écoute les officiels... On a le sentiment qu'il y a des informations précises sur mais le qu'on a jamais... PNP, mais qu'on n'a jamais mis en avant. Oui. Oui, mais c'est ça si le problème. Si on a ces informations, c'est, bon, c'est on pourra... classer secret défense. Bon. Enfin, je ne sais rien. Bon, vous savez, autant ne pas en parler, parce que moi, cette affaire de politique et de dirage... Est-ce que ce n'est pas dangereux? C'est dangereux. En fait, c'est très dangereux, et je ne voudrais mais pas si qu'on, puisse, qu'on puisse aventurer sur ce terrain. On constate aujourd'hui qu'il y a un parti politique... qui est en train de faire un travail donné. Mais même si on dit que ce parti politique a des relents régionalistes et des relents peut-être islamiques, enfin, musulmanes, vous voulez pas prononcer le mot islamiste. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, et au niveau de chaque parti politique, chaque parti a un fief. Oui. Oui, et vous prenez par exemple un parti comme le CAR, on connaît le fief du CAR, on connaît le fief de l'ANC. Mais aujourd'hui, le PNP aussi, son fief, c'est Sokolé. Et on constate qu'il y a au moins 70% ou 80% des militants du PNP que, oui, le qui parti, sont des musulmans. Oui, Akara, dans beaucoup de Sokolé, oui. Où le parti est cette zone qui est fortement islamisée. Ça, ce sont les mots du chef de l'État dans le magazine Jeune Afrique. Oui, bon, en fait, le fait pour un parti politique d'avoir 80% de tes militants qui sont musulmans ne pose pas problème. C'est-à-dire, à la base, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, c'est un parti comme tout autre. Mais si les musulmans aujourd'hui sont majoritaires, ce n'est pas la faute au parti. La base de Hadi, c'est où? C'est vers Dapaon qu'elle part là-bas. Voilà. C'est normal. Donc, si 80% sont musulmans, il n'y a pas de problème à la base. Maintenant, s'il y a une instrumentalisation de la religion à des fins politiques, ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire, ici, aujourd'hui, les musulmans qui sont membres du PNP, on sent qu'il y a une instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, le fait de constituer une association ou un parti politique, ou avec 80%, 90% des membres, peut-être que c'est la force du parti, c'est son fief. On a vu la démonstration de force du PNP à Sokodé. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme militants et même population. Même à Agoué, à Sokodé et à Agoué, vous avez vu le monde fou que le PNP avait drainé. Donc maintenant, si on parle d'instrumentalisation de la politique, enfin de la religion à des fins politiques, ça c'est un autre débat. Mais je ne souhaiterais pas qu'on puisse, tout, moi particulièrement, c'est un débat extrêmement dangereux. Où on veut lier le djihad et la politique, extrêmement dangereux. Si aujourd'hui... Et dans le contexte actuel. Au niveau des officiels, on sort beaucoup de choses par rapport à ça. Si les gens ont des informations précises, bon, peut-être commencer à en parler... Mais nous, on n'a pas des éléments. Nous, on n'a pas des éléments. Oui, on n'a pas des éléments d'appréciation. Le ministre de la communication sur RFI avait même dit que les militaires qui ont été tués à Sokolé ont été tués au cri de Allah Akbar. Alors, depuis là, on a commencé par s'interroger. Il y en a qui ont été chassés,
parce qu'il y a les militaires qui sont de l'autre côté du Ghana, il y en a qui sont de l'autre côté du Bénin. Ce débat, alors on s'interroge. Ce débat est dangereux. Le débat que tu amènes là, il est dangereux en ce sens que l'environnement. Trouver une solution. Oui, c'est un, bon. De toutes les façons, c'est une situation que nous vivons. Et si des gens ont des informations précises dans ce sens, si ces informations sont en tout cas sur la place publique, chacun pourra décortiquer à sa façon. Mais pour le moment, je ne peux pas ici vous dire que le PNP est un parti djihadiste. Moi, je n'ai pas les moyens de contrôler ce parti pour vous dire ce qu'il est. Mais si à un niveau donné, on le dit, ça veut dire qu'il y a des choses. C'est pourquoi je dis le PNP, c'est un parti comme tous les autres. Mais dans son fonctionnement, si on trouve des pépins, bon, qu'on explique. Parce que moi, en tant que journaliste, on ne m'a jamais convoqué à une conférence pour m'expliquer que voilà. Et pourquoi je traite ? Je ne peux pas maintenant me mettre sur votre table ici, sur votre plateau ici, et dire que non, le PNP, non. Et puis surtout, par rapport à l'environnement international. Parce que quand on évoque cet aspect de la chose, mais il ne faut pas qu'on s'attire des foudres chez nous ici. Ce n'est pas exclu, c'est ça ? Ce n'est pas exclu. Parce que le djihadisme, mais c'est parce que nous sommes heureux, nous remercions le Seigneur tous les jours, que on n'a pas encore vécu, en tout cas, ces scènes horribles ici. Le Burkina a été frappé plusieurs fois. Oui, mais je vous dis, les gens n'ont pas de vie. Les gens n'ont pas, quand ils sont 18 heures, il n'y a pas de vie. Les gens voient la mort partout. Donc, heureusement que le Togo, les autorités sécuritaires font un effort. Et jusqu'à présent, grâce à Dieu, on n'a pas encore ces choses-là chez nous. Et nous prions que ça continue comme ça, qu'on n'ait pas de problème avec. Parce que ces gens-là, ils sont interconnectés. Et partout, ils semblent être en difficulté. Mais ils s'appellent, ils s'invitent au renfort. Et donc, ça, c'est un débat. Je suis mal à l'aise pour débattre de. Non, c'est pas parce que j'ai vu là. Oui, parce que c'est extrêmement. Est évoqué par les officiels togolais. Oui, mais sans toutefois te donner les preuves. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, alors, c'est un peu compliqué. On s'interroge sur les éléments. Si on nous dit que voilà, ça s'est passé. Bon, parce que sur la base de. On a égorgé les deux militaires, on a crié à l'Akoubar. Bon, ça. Ça fait. C'est quand on a appris ça, mais ça fait. On a eu des frissons. Mais, je me pose la question, est-ce que c'est suffisant pour qu'on aille sur ce terrain? Si c'est sur cette base, bon. Parce que cette affaire de djihadisme, mon frère, c'est. Même ceux qui ont les bons muscles font extrêmement attention. Donc, ce n'est pas nous les petits qui allons nous amuser. Oui, c'est vrai qu'à côté au Nigeria, il y a Mamadou Chokao et ses amis qui font aussi la loi, d'une certaine façon. Le Burkina Faso a été frappé par deux ou trois fois déjà. La Côte d'Ivoire a goûté à ce supplice. On n'a pas franchement pas envie de nous attirer la foudre. Oui, effectivement. C'est-à-dire que ce débat met mal à l'aise tout le monde. C'est-à-dire aujourd'hui, à force de trop. Si les autorités l'évoquent, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oui, mais il n'y a pas de fumée sans feu, bien évidemment. Mais maintenant, on n'a pas les éléments qui permettent d'apprécier. Et moi, personnellement, je ne voudrais pas aussi qu'on puisse faire ce débat de long en large. Parce que là, c'est extrêmement dangereux. Le terrain sur lequel on est en train de glisser, c'est vrai qu'on constate au niveau du PNP, comme je l'ai dit, que la base est à coloration musulmane. C'est-à-dire, ça, c'est tout le monde le sait. Et que même lors des manifestations politiques, en pleine manifestation, on prie et tout ça. Bon, ça, c'est des bases musulmanes. Bon, maintenant, aller jusqu'à parler de djihad, moi, c'est ça qui me... Parce que, en fait, cette question, c'est une question qui est très sensible et extrêmement dangereuse. Il va falloir qu'on puisse véritablement faire attention pour mieux apprécier le contexte dans lequel nous sommes. Messieurs, merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Elom Antisobri. Merci, Eric, et merci aux auditeurs. Merci à Michel Tchadia d'être venu pour le débat. Merci, c'est avec plaisir. Et chaque fois que Dieu nous donnera la force, on sera là. Merci. Merci à Emmanuel Afanyagbi qui a assuré la coordination technique de Taxi Presse de ce lundi, le premier numéro de l'année. Appelez-moi Eric Gator. À demain. 93.1 Taxi FM.